Bonjour chers apprenantes et apprenants. Nous voilà dans une nouvelle séance de lecture listée dans la cinquième unité didactique, dont le sujet est « Ma sécurité sur la route ». Lors de la dernière séance, vous étiez censé identifier un texte injonctif ainsi de le lire. Pendant cette séance, on a d'objectifs visés. Le premier objectif, c'est lire de manière expressive et nuancée un texte injonctif. Le deuxième objectif, c'est de reconnaître les caractéristiques d'un texte injonctif. Mais avant cela, on va faire un petit rappel. Je vais vous proposer des images que vous avez déjà vues et vous allez me rappeler leur contenu. Donc, commençons par la première image. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Oui, c'est très bien, c'est une jeune fille. Oui, quoi d'autre? C'est une jeune écolière, c'est très bien. Oui, une jeune cycliste, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, c'est bien, elle traverse la route. Où elle traverse la route? C'est très bien, elle prend le passage piéton. Qu'est-ce qu'elle met sur sa tête? Oui, c'est très bien. Elle met un casque. C'est très bien. Maintenant, on va voir la deuxième image. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur la deuxième image? Oui, un papa avec son fils. C'est très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Elle circule à vélo sur la route. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils portent sur leur tête? Ils portent des casques. C'est très bien, c'est bien. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ces personnes-là, la petite fille et ce monsieur avec son fils, est-ce qu'ils respectent le code de la route? Oui ou bien non? Et pourquoi? Oui, ils respectent le code de la route. Donc, qui peut me dire pourquoi? Comment vous avez su qu'il respecte le code de la route? Oui, c'est bien. Donc, il prend leur extrême droite, c'est bien. Ils mettent leur casque, c'est très bien. Hein, oui? L'enfant porte un gilet, c'est formidable. Oui, la petite fille, qu'est-ce qu'elle est? Oui, elle traverse en prenant le passage piéton, c'est très bien. C'est bien. Maintenant, on va lire encore une fois le texte et après, on va le relire encore une fois pour expliquer quelques mots. Donc, suivez avec moi. Conseil pour le jeune cycliste. Premièrement, respecte le code de la route. Tu dois connaître, comprendre et respecter les règles principales du code de la route. Deuxièmement, vérifie régulièrement ton vélo. Les freins doivent bien fonctionner, les pneus être en bon état et la selle à la bonne hauteur. Les cadastres doivent être propre et l'éclairage en état de fonctionner dès qu'il fait sombre. Troisièmement, communique avec les autres usagers de la route. Tends le bras lorsque tu changes de direction. Cherche le regard des conducteurs pour vérifier que tu es bien vu. Quatrièmement, sois visible. Tu peux porter une veste fluo ou des vêtements de couleur vive. Dès la tombée du jour, tu dois faire fonctionner l'éclairage de ton vélo, les cadastres de ton vélo et des rafraîchissants sur ta veste, ton sac à dos, permettront au conducteur de te voir de loin.
dans la lumière de leur phare. Cinquièmement, porte un casque. Le casque protège ton cerveau en limitant fortement le risque de blessure à la tête. Et puis, il peut aussi te donner un certain style. C'est bien. Maintenant, on va encore relire le texte et on va procéder à l'explication de quelques mots. Donc, conseil pour le jeune cycliste. Premièrement, respecte le code de la route. Tu dois connaître, comprendre et respecter les règles principales du code de la route. Qui peut me donner parmi vous un synonyme du verbe connaître? Oui, c'est bien. Savoir, c'est très bien. On continue. Vérifie régulièrement ton vélo. Un autre synonyme de vélo? Oui? Oui, c'est bien. Bicyclette. Donc, on continue. Les freins doivent bien fonctionner. Les pneus être en bon état et la selle à la bonne hauteur. Les cadenas doivent être propres et l'éclairage en état de fonctionner dès qu'il fait sombre. Ici, dans cette partie, on parle de plusieurs parties du vélo qu'il faut soigner, bien soigner et bien vérifier. Donc, on va voir ces quelques parties. Donc, comme vous voyez bien, ici, on a une bicyclette ou bien un vélo, comme on l'a dit, et on a plusieurs parties. Donc, pour la première partie, ce sont des freins avant et arrière. Deuxième partie, ce sont des pneus qui doivent être en bon état, bien sûr. Troisièmement, des cadenas de couleur blanche à l'avant, rouge à l'arrière et orange sur les côtés. Quatrièmement, un feu de position avant. Bien sûr, c'est l'éclairage de la bicyclette. Cinquièmement, un feu d'arrière rouge pour pallier aux contraintes de visibilité insuffisantes. Et enfin, sixièmement, un avertisseur sonore, ou bien la sonnette. On continue. Donc, troisièmement, communique avec les autres usagers de la route. Donc, lorsqu'on est sur la route, on n'est pas seul. Il y en a d'autres conducteurs de voitures, conducteurs de camions, de bus, etc. Conducteurs ainsi de motos. Donc, on doit se communiquer avec eux pour éviter les accidents. Donc, tends le bras lorsque tu changes de direction, soit à droite ou bien à gauche. Cherche le regard des conducteurs pour vérifier que tu es bien vu. Quatrièmement, sois visible. Tu peux porter une veste fluo ou des vêtements de couleur vive. Dès la tombée du jour, tu dois faire fonctionner l'éclairage de ton vélo. Les cadenas de ton vélo et des rafraîchissants sur ta veste, ton sac à dos, permettront au conducteur de te voir de loin, dans la lumière de leur phare. Bien sûr, ça veut dire quoi la tombée du jour? C'est très bien, la couchée du soleil, ça veut dire la nuit. Donc ici, on a un mot fluo, une veste fluo. Ça veut dire quoi fluo? On va voir ça. Donc fluo qui rappelle la fluorescence. Jaune, vert, rose fluo, des chaussures fluo. Exemple, des chaussures fluo. Ici, on a deux objets.
l'un à droite et l'autre à gauche. Comment on appelle ces deux objets-là? Oui, c'est bien. Ça, c'est une veste. Et ça, c'est un gilet. Ils sont tous les deux munis de des ceintures fluo pour que les autres conducteurs puissent vous voir. C'est très bien. Donc maintenant, on continue. Cinquièmement, porte un casque. Le casque protège ton cerveau en limitant fortement le risque de blessure à la tête. Et puis, il peut aussi te donner un certain style. Bien sûr, ici, le risque, il faut bien confondre entre le risque, le nom, avec risquer, le verbe. Il faut bien faire attention. Eh bien, maintenant, le risque, ça veut dire quoi le nom? Le risque, c'est le fait de s'exposer à un danger, quel que soit ce danger-là. Dans notre cas ici, c'est le danger d'avoir un accident. Donc, on doit mettre le casque pour protéger nos têtes lorsqu'on a eu, on a à avoir ou bien un accident. Donc, il faut toujours utiliser un casque. C'est bien. Maintenant, je vais vous poser quelques questions et vous allez me répondre. Des questions, bien sûr, à propos du texte. Donc, la première question. Ce texte est adressé à qui? Oui, il est adressé aux cyclistes. C'est bien, mais qui peut dire mieux? Oui, c'est bien. Il est adressé aux jeunes cyclistes. C'est très bien, c'est formidable. Donc, le texte est adressé aux jeunes cyclistes. Comment on a su ça? À partir du titre. Conseil pour le jeune cycliste. C'est bien. Deuxième question. De quoi il est composé? Donc, ce texte, il est composé de quoi? Lorsqu'on a dit premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. C'est quoi ça? Oui, c'est très bien. Ce sont des recommandations. Oui ou bien des conseils. Et bien sûr, le titre, il le mentionne. Conseil pour le jeune cycliste. C'est très bien. On passe maintenant à la troisième question. Énumérer ses conseils. Donc, qui peut énumérer ses conseils? Donc, pour cela, on va voir encore une fois le texte et on va les énumérer. Donc, qui peut me dire le premier conseil? C'est quoi le premier conseil? Oui, c'est très bien. C'est respecte le code de la route. C'est très bien. Deuxième conseil. C'est bien. Vérifie régulièrement ton vélo. Troisième conseil. Oui, communique avec les autres usagers de la route. C'est bien. Quatrième conseil, c'est sois visible. Et enfin, qui peut me dire là, le dernier conseil? C'est formidable, c'est porte, le cinquième conseil, c'est porte un casque. C'est bien. Donc, on va voir. Donc, ces conseils, ils sont formulés sous forme de quoi? Oui, c'est bien. Ils sont formulés sous forme de phrases. Ici, on a cinq phrases. Donc, quelle est la taille de ces phrases? Qui peut me dire quelle est la taille de ces phrases? Est-ce qu'elles sont grandes ou bien comment elles sont? Oui, c'est bien. Ces phrases-là, elles sont petites. Elles sont réduites. Donc, ce sont des phrases petites, de petites phrases. C'est bien. Avec quoi commencent ces phrases-là? Donc, regardez bien la première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase, la quatrième et la cinquième. Elles commencent par quoi? Prenons la première phrase. Oui, respecte. C'est quoi? Quelle est la nature de ce mot-là? Oui, c'est bien, c'est un verbe. Quel est son infinitif? C'est bien, c'est le verbe respecter. Deuxième phrase, quel est le... Vérifie, quelle est sa nature? C'est un verbe, c'est bien, oui.
Quel est le verbe? Quel est son infinitif? C'est très bien. Vérifier. Troisième phrase. Communiquer. C'est bien. C'est un verbe. Tu as dû la réponse exacte, directe. La quatrième phrase. Soit. Quelle est la nature de ce mot? C'est bien. C'est un verbe. Quel est son infinitif? Oh non, on ne dit pas soyez. C'est pas soyez. Non. C'est pas soyez. Qui peut dire mieux? Ah oui, c'est très bien, c'est génial. C'est le verbe être. Et le dernier mot porte. Quelle est sa nature? C'est bien. Lui aussi, c'est un verbe. Quel est son infinitif? C'est le verbe porter. C'est très bien. Donc, on a ici ces phrases qui sont réduites, qui sont petites, commencent toutes par des verbes. Ces verbes-là, ils sont conjugués à quel temps? C'est bien, ils sont conjugués à l'impératif, c'est très bien. Quand on utilise l'impératif, il joue le rôle de quoi, généralement? On l'utilise comme, pour quelle raison? Oui, pour donner des ordres, quoi encore? Des conseils, c'est très bien. Donc ici, on a des verbes, des conseils, sous forme de phrases. Ces phrases, elles sont réduites. On a utilisé des verbes à l'impératif. Ce sont les caractéristiques d'un texte injonctif. Une petite remarque, mes chers apprenantes et apprenants. Pour dire des conseils, on ne peut pas seulement utiliser l'impératif. On peut utiliser soit le présent, le futur simple, ainsi que l'infinitif. Donc, l'impératif, c'est l'une des manières qu'on peut utiliser pour donner des conseils, des recommandations et des ordres. C'est bien. Maintenant, on va passer maintenant à une activité. Je vais vous inviter à formuler un texte injonctif. Donc, je vais vous proposer une situation de votre vécu. Maintenant, vous suivez les leçons à partir de votre télé. Pourquoi? Parce que, à raison de cette épidémie de corona. Donc, je vous invite à formuler un texte injonctif pour vos confrères, vos collègues, les apprenantes et les apprenants de notre cher royaume, de notre Maroc. Donc, qui veut proposer un texte, un titre à ce texte? Oui, c'est bien. Conseil pour les apprenantes et apprenants. C'est un joli titre, c'est bien. Merci. Donc, conseil pour les apprenantes et apprenants. Donc, qui peut nous donner un conseil, un premier conseil? Oui, c'est bien. Restez chez vous, c'est bien, restez chez vous pour ne pas attraper une maladie, qui est grave, bien sûr. Donc, deuxième conseil, oui, qui peut nous donner un deuxième conseil? Oui, c'est bien. Suivez les leçons présentées sur la télévision et sur le web, c'est très bien. Troisième conseil, oui, c'est très bien. Faites les exercices sur vos manuels scolaires. Pour l'application, bien sûr. Oui, d'autres conseils? Oui, c'est très bien. C'est bien. Donc, demandez de l'aide, soit à vos parents ou à vos frères. C'est génial. Donc ici, vous avez formulé un texte injonctif. Donc, c'est formidable. Merci beaucoup. Donc, bonne chance et à bientôt.